Bonjour, frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui rentre là avec nous. Merci, merci, merci. Hein? Merci pour confiance nous. Waouh, merci pour bouche à l'oreille. Abonnez-vous à monter là. Nous sommes rendus à presque 7000. Ok? Allez, dit nous avons 6886 abonnés en date d'aujourd'hui, pendant ma parole avec nous, qui jeudi m'a fait recette ça pour nous. Ok? Attendez. Moi, je vais préparer pour nous un soufflé de maïmoulin. Un soufflé de maïmoulin collé à pois. Même besoin de faire pour tellement facile pour nous, m'a fait chaque petite recette là, et puis nous-mêmes, pour les nous faire, nous, pour nous capables de faire. Moi, pour me faire un petit soufflé à vous, nous, moi, pour faire une petite sauce béchamel simple et nature. Moi, besoin de 2 cuillères de beurre. On va prendre un beurre qui est en idéal. Ok? On va faire un petit béchamel là d'abord. On va lui mettre du feu. 2 cuillères de beurre, un quart de tasse de farine. Ok? On va commencer. Une fois que beurre la fin fond, moi mettez un quart de tasse de farine là-dedans. Là on va faire une sorte de petit roux, OK? Pas besoin en pile, c'est pour cette raison que m'pas faire en pile non plus. Quand on a un petit roux, on mettez à la mettez 4 tasses de lait, OK? OK. Quand on a là brasser j'envle. Moi-même là mettez un quart de tasse de farine. C'est marqué qu'il prend temps pour bien lire ou pas. La vin font béchamel comme une sauce la vraiment liquide, il pas trop épais parce que j'ai maïs moulin déjà qui est épais. Et puis nous voilà, ok. M'a quitté ça. Qu'on a là, regarde, il commence à bouillir là, ok. Ou à garder le pas épais tout de suite là. Il faut qu'on épaissit et peut-être ça me mettre en pile farine là même, ok. Là, qu'on a une fois qu'elle commence à bouillir, volume du fait maïs 5 et demi. Moi, je mets ton petit sel là-dedans. Et puis, je vais mettre un petit poivre. Après ça, je vais quitter l'épaisseur là, tout doucement, doucement. Je vais presser de temps en temps, je vais brasser. Pendant que je fais ça, je vais faire l'autre bagarre en même temps. Mais je voulais vraiment pour nous faire cette recette nous bien facile parce que c'est une bonne recette liée. Très, très bonne recette. Donc, voilà. Je vais faire une à la fois. Quand on a la béchamel là, il est censé quasiment prêt là. Ok, qu'on a presque prêt. Ça, c'est ça qui est un vrai, 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 vrai béchamel pour de vrai là. Ok? Qu'on a même été. Un petit spoon de muscade là-dedans. Ok? C'est fini. Je fais mes fois. Ok. Qu'on y a là, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit fromage là-dedans. Moi-même, je vais mettre. Ok? Qu'on y a là, béchamel, moi, je vais faire. Ok? Qu'on n'a pas oublié, je vais faire un petit béchamel pour souffler des maïs. Qu'on a mis de nos côtés, il va le faire aussi. Qu'on y a là, je vais te montrer nos maïs moulins. Mes maïs moulins. Son maïmoune nous tout café. Nous connons comment faire un maïmoune pour la poêle à caille déjà. C'est la même chose. La seule différence, là, et puis moi, je fais un petit jean mou. Et puis, qu'on a là, moi, quitter le refroidi un peu. Je vais mettre dans le frigidaire là. Je vais dire, juste faire me quitter le repos. Qu'on a là, mon petit maïmoune qui est là. Ok? Après ça, je vais mettre nos quantités. Qu'on y a là. Ok. Maïmoune prêt. Sauce béchamel moins prêt, qu'on y a là, on va prendre quantité de besoin pour l'IA. Ok? Pour recette là, moi besoin 12 œufs entiers. Moi divisé 12 œufs, moi mettez 12 jaunes à part, 12 blancs, moi pour le monter en neige. Une fois bien monté en neige, et voilà, c'est correct, qu'on a déposé de nos côtés. Ok? Mais jaunes œufs, 12 jaunes œufs qu'on a là, moi brasser, moi pas le brasser. Si je veux, je vais me battre avec batteuse là. Mais ce n'est pas trop important de battre avec batteuse là. Moi je vais battre avec feu plutôt. Ok? Une fois que moi bien battu, qu'on a là, moi verser. Je vais quitter le béchamel là, je vais verser dans les œufs. On continue à brasser toujours. Là, c'est seulement un œuf hein, avec béchamel là qui là. Une fois que moi bien brassé li, qu'on a là moi mettez 2 tasses et demi maïs moulin. OK? Maïs moulin, mais li te gen wan juste maïs qui ou acheté dans boîte dans maquette, OK? Ça veut dire qu'on c'est des maïs au vent même. Mais moi fais là avec maïs moulin collé avec poivre pour nous. OK?
Je brasse pour qu'il bien rentre là, pour qu'il bien mélangé. Une fois qu'il est bien mélangé, là qu'on a mal utilisé spatule moi, marise moi. Ainsi, qu'on a là moi pas le mettre blanc œil pour lui aider lui à plus léger. À partir d'être là, on va brasser encore là, n'a pas brasser, qu'on a là moi le soulever. Tout semble se brasser, mais c'est pas brasser, c'est son coup de couteau, me fait ça. Chouin, chouin, vous voyez, moi fait rentrer, soulever. On appelle ça soulever, parce que si c'est brasser, c'est comme ça me d'adouer, ok? Soulever. Allez, dit même si vous me faites vite là. Mettez reste là. Et voilà. Quand y a là, nous, blanc, je vais aller venir en léger là. Parce que souffler là, c'est ça, ça veut dire qu'on a l'embras le mettre dans le poil là, on va voir ça qui va arriver. Il va le gonfler, le fin cuite là, il va gonfler, le monter, main haute, et puis quand le vin fouette, il va descendre. Dès qu'on voit le jour, il va avoir un petit blanc, yeux encore, qu'on a ce moment là, qu'on a l'embras le mettre dans le moule. Même moule là, moi j'ai tant beurré, fariné, qu'on a là, moi rempli. Bon. Puis qu'on a là, moi mettez fromage par-dessus. C'est un coup par exemple, vous avez chapelu ou tout, idéalement, on doit mettre chapelu par-dessus. Ok, une fois fait, qu'on a là, moi mettez foie à 350, 35 minutes, ça doit être prêt. Ok, on commence. Après 35 minutes de cuisson, qu'on a là soufflé après, m'a retiré. Ok, venez. Qu'on a là, li prêt là. Ça qui est dans le menu, remarquez, nous, j'en gonfle, normalement, il est supposé baisser. C'est pour cette raison qu'il y a un soufflé. Un soufflé, ce n'est pas un omelette. Un soufflé, ça veut dire soufflé. Beaucoup de l'air à l'intérieur, dès qu'il commence à frette, il est supposé tomber. S'il n'est pas tombé, c'est qu'il va réussir, c'est un omelette. On nous suivre ça. Après ça, quand il finit refroidi un peu, je vais couper pour nous capables. Ok? Est-ce que nous avons comment qu'il descend vraiment? Ok? Son test faut dire. Si vous arrivez à un côté, dans n'importe quelle réception, n'importe où, vous arrivez à un soufflé, vous gardez bien bombé, bien droit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réussite. C'est un omelette lié. Ok? Soufflé, vous faites ça là, caillou, ou invitez les gens ou bailler les manger. Ou pas prendre pour porter dans la réception, ou bien dans un gap dans mon église, t'as coulé dans la réception, chaque monde pour ton bagage, ou pas pour te souffler. Parce que ce n'est pas un monde qui pas connaît qui va le manger le vrai. Ok? On a là, on va le couper là. Il faut qu'on finisse fret non, mais sauf que les est en fret pour le descendre là. Ça veut dire, ça montre, souffle m'en réussi. C'est là non en sortie. Gonfle, quand le fret tombe. Ça veut dire, il est le on a mal coupé. Waouh, c'est bon. Regarde, tout là encore c'est réussi. Regarde. On a mal levé le mettre dans ça. Waouh. Succès, hein. Monde qui qu'on fait souffler déjà. Succès sur toute la ligne. Wow, quel succès. Qu'on a bon gardé pour moi. Regarde, tiens, c'est ça. Souffler des mailles moulin collé à quoi? Mais souffler. Wow. C'est excellent. Avec qui sont qu'à manger ça? Ou qu'à manger ça avec un bon petit salade et puis n'importe quel morceau de viande ou déposer à côté et voilà, ou manger petit mangeur, OK? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédon l'a dit.